Salut à tous, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée assez récemment, assez chelou. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, c'est quoi ces manières qu'elle a de t'appeler bébé. Un peu dans ce style là, d'ailleurs pour ça je faisais plus trop de vidéos. J'étais tranquillement en train de marcher pour le tournage de ma dernière vidéo, celle-ci, qui est juste là. Et là, bam, 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 bam. C'était fort. Et là, je reçois un appel d'un français producteur à Los Angeles. Tu as dit comme ça, ça claque. Il me dit qu'il veut me voir dans sa série qu'il produit en France. Là, ça claque, encore plus. Là, c'est ce que rêve n'importe quel comédien. Voilà. Mais c'est pas fini. Il me dit qu'il aime mes vidéos, que j'ai une bonne gueule, etc, etc. Tout plein de compliments qui me font plaisir venant d'un producteur. Ouais, ça claque, ouais, ouais, t'as raison, ça claque. Et c'est pas fini, ok? On se calme. Oh, ça a rien de s'exciter comme ça, là. Merde. Mais ça claque. Et oui, parce... Non, merde. Et oui, parce qu'en plus d'aller chez lui, je dois dormir avec lui. Là, ça devient assez chelou. C'est chelou. Non. Ta gueule. Ça va, oh, je déconne. Donc je dors avec lui et s'ensuit une ribambelle de compliments. Il me dit qu'il veut me voir avec lui à Los Angeles. Il me dit que... on doit devenir les meilleurs amis du monde. Il me dit qu'il veut que je devienne la star de Los Angeles. Yeah. Mais je pense... Je suis pas sûr... Enfin maintenant je suis sûr qu'il y a une contrepartie. Et qu'il y avait une contrepartie. Il y avait tout d'abord les caresses. Tout le monde sait ce que c'est que des caresses, tu vois, je frotte la peau et tout, là. Ça m'énerve. Il y avait ensuite les câlins. Pendant qu'il me fait les câlins, j'avais envie de lui pincer les tétons, là. Et attends ça, salope, hein. Ça me fait sourire, hein, mais c'est un sourire méchant. J'ai envie de le défoncer, si tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, quelque chose de beaucoup plus trash, j'ai envie de dire... les bisous dans le cou. Là, ici. Le salaud, connard. Calme-toi, Geoffrey, calme-toi, calme-toi. Vas-y, fais mes 100 pas dans ta chambre, dans ta petite chambre. Mais vois-tu, dans ma tête, je ne pensais qu'au rôle, Los Angeles, être une star. Le rêve de tout comédien qui se respecte. Oui, enfin, il y a quand même une certaine limite, non? Oui, j'avoue, c'est pas faux. Mais c'est vrai. Mais c'est pas faux. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte que cette vie à Los Angeles, il aurait fallu la passer avec lui. Attends, t'imagines, toi, dans le lit d'un mec qui te fait des câlins, des bisous, des caresses, et qui te dit « Je t'aime mon cœur, je t'aime ma puce. » Non ! En rentrant chez moi, après être parti de chez lui, ce qui est logique, j'ai dit stop. Après quelques jours de réflexion. Du coup, je l'ai appelé, j'ai fait « Écoute-moi bien, Coco. On arrête les conneries tout de suite, ok? Tu me donnes ce que t'as, je te donne pas ce que j'ai. » Je lui ai pas dit ça. Non. Je l'ai appelé. Je lui ai dit cash. Voilà, je lui ai dit cash. Je lui ai pas dit ça. Non. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Tu me dis tout de suite si je joue dans la série, sinon on arrête là. » J'ai l'impression d'être le dernier homme de la farce. Tout le monde sait quel rôle il va avoir et moi il me dit « Oui, tu seras le rôle principal, je suppose. » Mais ouais, mais pour moi, faut que ça soit écrit. Ça sert à rien que j'aille chez toi, qu'on boit un coup, que tu me tapes le cul, là. Pauvre fesse. Il m'a dit « Non, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. » Je fais très bien, et ben, dans ce cas-là, on n'a plus rien à se dire. Autant se dire adieu. Et là, il me fait « Non, non, pars pas, s'il te plaît. » Donc voilà, je lui ai dit stop et il veut quand même garder contact avec moi. Pourquoi pas, après s'il a un rôle et qu'il me tripote pas, moi je dis pas non. Et voilà, vous savez. Et voilà, vous savez tout. Enfin, en partie, je pense, ou ouais, pratiquement tout. Sur ce, bah moi je vais. je vais vomir. Tchuss.